Bonjour à tous, c'est Camille. Je vous explique aujourd'hui comment réaliser une boîte toute simple grâce au site Template Maker. Ce site vous propose différents styles de boîtes. Nous, on va choisir la boîte avec couvercle, la boîte toute simple, classique. On peut modifier les dimensions et les proportions. Nous, on va conserver les dimensions de base et on modifiera la taille plus tard. Ce qui est génial sur ce site, c'est que vous avez le format Cricut en téléchargement. Donc le fichier se charge sur notre ordinateur et on va venir ensuite l'ajouter sur le Cricut Design Space. Donc on va venir télécharger l'image, parcourir pour la retrouver dans nos fichiers d'ordinateur. Donc là, elle apparaît dans nos téléchargements récents. Et voilà, le motif est déjà aux caractéristiques Cricut. Je le renomme pour le retrouver plus facilement. Et je télécharge. Je vais ensuite l'ajouter sur ma toile pour pouvoir le retravailler pour la découpe. Donc là, on voit que notre boîte s'est chargée sur la toile et on voit que le couvercle et le bas de la boîte sont attachés ensemble. On va devoir les dégrouper pour pouvoir travailler l'un et l'autre séparément. Donc là, on voit que les deux sont bien dégroupés. On va pouvoir les sélectionner séparément. Alors, maintenant que nos deux éléments sont bien séparés, on va pouvoir dégrouper les traits de chacun des motifs. De façon à pouvoir faire en sorte que les traits du milieu des boîtes ne soient pas découpés par la machine, mais soient rainés pour permettre de plier la boîte. Donc on sélectionne les traits du milieu et on voit qu'ils apparaissent en pointillés. C'est tout à fait ce que l'on veut. On fait la même chose sur le couvercle. Option rainer. Ils apparaissent en pointillés. Donc là, on va attacher tout ensemble afin que les traits ne se découpent pas n'importe comment. On attache le couvercle, on attache le socle, et là on voit que tout est bien lié et que notre découpe va pouvoir se faire. Par contre, je constate que le format est un peu grand et ne va pas entrer sur mon tapis. Donc je sélectionne bien les deux à la fois pour garder les proportions de ma boîte. Et je diminue un petit peu le format. Là, je vois que c'est encore un tout petit peu grand parce que le tapis Cricut n'accepte un format que de 29,2 maximum. Le tapis de 30,5 sur 30,5. Je n'ai pas le long tapis, donc je dois réduire un petit peu le format. Donc là, on voit que tout est en place et prêt pour la découpe. Je connecte ma machine. Je choisis le matériau. Donc moi, je vais choisir le premier parce que je vais choisir un papier cartonné un petit peu épais. Là, je vais modifier mon outil parce que je n'ai pas la roue de rainage double. Je n'ai que la roue de rainage simple, mais ça suffit tout à fait pour ce projet. Et je vais pouvoir le lancer. Donc je choisis mes papiers. Là, j'ai choisi deux motifs différents aux couleurs printanières. Et je mets en place, dans un premier temps, la roue de rainage simple.
Dans un second temps, je mets la lame à pointe fine pour permettre la découpe des contours de ma boîte. Et je vais ensuite réitérer exactement la même opération avec la deuxième partie de ma boîte. Donc, dans un premier temps, les traits de rainage. Et dans un second temps, la découpe des contours de la boîte. Et la dernière étape est celle de l'assemblage. Donc, je colle les petits côtés de mon couvercle et de mon socle. Et le tour est joué. La boîte est terminée. Et j'en avais fait un second modèle avec un autre format et d'autres papiers.